Système D, ou plutôt système pirogue pour ceux qui n'ont pas de véhicule, où on choisit l'option parking de l'autre côté du fleuve, à Albina, ville du Suriname. Comme le bac, il y a tellement de véhicules là-bas, je préfère revenir récupérer le véhicule après et partir en pirogue. Parce que là, on est là au moins pour 3 heures de temps, au moins. En ce moment, comment ça se passe de l'autre côté avec la fermeture des frontières? Est-ce qu'il y a des procédures particulières qui sont mises en place de l'autre côté? Tout à fait. Malheureusement, chez nous, non. Mais oui, là-bas, oui, ils prennent les températures. On doit laver les mains quand on rentre. Et quand on repart également, ils prennent également notre température. Le bac La Gabrielle a effectué ses dernières rotations avant la fermeture officielle de la frontière. Les ressortissants français et ceux munis d'une autorisation de séjour se sont dépêchés pour ne pas rester bloqués au Suriname. Voilà, oui, précipitamment. Normalement, c'est demain. Quand j'ai entendu hier la nouvelle, je préfère rentrer aujourd'hui. Voilà. On a reçu le message, c'était vendredi soir déjà. Comme quoi la frontière serait fermée à partir de samedi. On a essayé de rentrer samedi, mais bon, ils avaient dit que c'était fermé de l'autre côté, donc du coup, on a pris l'option de rentrer cet après-midi. Tous ceux que nous avons rencontrés nous parlent d'un pays totalement métamorphosé qui se prépare au confinement. Mais hier, tout était fermé, tous les commerçants enfermés à midi, il me semble. Tout le monde est plastifié là-bas, comme nous, hein, plastique devant, ils ont les gants, ils ont les masques. Et à midi, tout était fermé. D'habitude, ça, il ferme à 14h en ville et vers le nord, vers 22h, 20h. Et bien, tout était fermé, Choice, les plus grands magasins là-bas, les petits également, commerçants, tout est fermé. Le seul magasin qui reste ouvert, là, il y a une foule de personnes et on ne peut rien faire. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu la panique. Là. Avec un cas de Covid-19 officiellement déclaré, le Suriname ferme ses frontières aériennes, terrestres et fluviales jusqu'à nouvel ordre. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.